Ok, salut, salut. Je vais montrer comment installer driver et les pilotes pour que ton Mira Boss puisse se connecter à ton ordinateur, puisse bien fonctionner, quoi. Tout d'abord, je rentre ici et propriété. Alors, j'arrive sur cette page gestionnaire de préféré. Alors, je vais un peu plus rapide. Voilà. Arrivé là, tu cliques sur ton nom. Voilà, moi, mon nom, c'est ça. Et ici, ajouter un matériel d'ancienne génération. D'ancienne génération. C'est ce que j'ai dit. Et je fais suivant. Arrivé là, je sélectionne moi-même. Parce que pas automatique. Tu fais toi-même. Tu viens là. Suivant. Et ici, je vais chercher sur mon disque dur. Alors, ici, voilà. Bon, comme déjà, j'avais déjà tout sélectionné. Sinon, je rentre par mon ordinateur là. Ici, j'ai mis mes trucs là. Voilà. Ici, les pilotes. Voilà, mes pilotes ici. Je clique là. Bon, si c'est 64 bits, tu prends 64. Si c'est 32 bits, tu prends 32. Moi, je suis 32. Là, je fais suivant. Hop. Alors, voilà. Vu que moi, j'ai tout installé déjà, voilà pourquoi on me dit pilote déjà installé. Donc, sinon, parfois, lorsque tu es en train d'installer, ils vont afficher un message ici sur ton écran. C'est le message. Tu cliques directement sur afficher et installer quand même. Voilà. Voilà, vu que moi j'ai déjà tout ça et je prends tous ces blocs que j'ai, je les installe la même méthode avec la même méthode. Voilà, ici déjà, voilà, Android, ok. Voilà. Et ça va pas à pas. Tout est déjà installé. Raison pour laquelle. Ok. Maintenant, deuxième méthode. Deuxième méthode. Je rentre là. Et. 10. Oh, hop. Ici. Pilote. Voilà. Ici. Attention. Pas ici. Oui, ici, ici, ici. Voilà, ici, ici. J'installe par là. Bien. Ok, là. Ici. Voilà ça. Bonjour, ici.
bien. Il faut que tu l'appelles. Non, il est arrivé là-bas. Peut-être. Il est venu, il est venu. Lui, il m'a montré le jour. Non, il est venu là-bas. Ok. Voilà un peu, bon, c'est un peu comme ça. Celui-ci qui là contient tous les pilotes. Mais après, il faut avoir aussi des pilotes que j'avais installés premièrement avant de venir sur ça. Voilà, comme ça aussi, tes téléphones là pourront reconnaître ton ordinateur. Voilà. À chaque fois qu'il affiche un message rouge comme ça, tu dis installer ce pilote. Comme ça, voilà. Chaque fois qu'il affiche ce message, tu cliques installer quand même. Voilà. S'il y a des questions, tu me poses après. Merci.